Jagokelaw parce Mali ni ye mais Mali Mali est Aoudé en bafé dans l'histoire San Chaman Kofé pour le 7 juin 2021 président Doku Sigira Mintoye Assimi Goïta Alefane est premier ministre de Sigi Mintoye Shogel Maïga histoire là aka kala aka fo aka sebe wallahi ko o gouvernement namo o de mali mali kura namo a fondation namo a yasigi namo ti flana e mun namo ngata senekalaw bagamaraw munikalaw jagokelaw namo ngatu ulame namo ako ere kata namo ntogala ta ulame namo kata kafra namu gouverneur ni ministre be minki ama namu. Rapport la namu ibu be faranyonka namu ibena uirana inshallah ale bafe namu fe nwo fe na le bafo namu na le bake namu ni gouvernement bafo namu na bake namu ukasoro namu mali na fabala namu mali o hamidido namu ki sabanae mu namu amba fe ake dua uke ni ala sunama alaka nkambe amin inshallah amin alaka gouvernement amin 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 ukasika siraminta namu nimbe jamana na namu madame nerela mba faga folie la se folo mali gouvernement ou ye noro mindi ama wafla ani kemafla uye kori soma mimbla biduru ani worola ambe buni region fo passa ambu hakli be hakemi soroli la cmdt ka nya foli la ambe nyine nga surunyala samya ko na buni ase hakli na dobe anga premier ministre na ga ministre flala kaira ko tiere la nako fem munbe ke anga nala akabo jamana worela ka gelugulu yanulu ka transition ka ba u ba fanga se ko fem u jelema anga sugo mi banga jamana kono namba bo asinka u ba fango fana ba ya ma sugo le ka bo jamana ko ni jati mina ka anga kor magazan na bi nogo be bana ka bon franc ka buruche donc ka fo nogo ku folo munu nana no e ko shona mawe anya kla chikela u nyiro taw sorala cigala ko ka danyam ko kloka ka fo umma ko be no wala halsa ka do ka cike furula wala sala yini mun fora anga teme oka bugune mara kolonje ba yanfulla u bela jene ga kuna fon de bene da kala se nyamgo ma depuis l'installation du gouvernement et surtout depuis la déclaration devant le conseil national de transition et l'adoption programme d'action gouvernementale, le gouvernement a décidé d'aller vers les populations pour constater comment se passe la campagne agricole et principalement la campagne cotonnière. Est-ce que les efforts consentis par l'État malien pour soutenir le monde paysan, est-ce que ces efforts atteignent leur objectif? Pour ce qui est de vos préoccupations, j'ai entendu et je dois vous dire
que le sentiment que nous avons, c'est que pour l'essentiel, le gouvernement a tenu ses promesses. Les rapports que nous ferons serviront de guide pour le gouvernement, pour continuer à améliorer la gestion, pour que les populations se sentent gouvernées dans le sens qu'elles souhaitent. Son Excellence, bismillah. Vous venez célébrer avec nous un produit, comme je le disais tout à l'heure, stratégique pour nous-mêmes, sur le plan alimentaire, sur le plan économique. Vous venez célébrer avec nous un produit qui commence à compter dans l'économie, non seulement locale, mais nationale et régionale. Donc, je voudrais, au nom de toute la population de Ségassou, sincèrement vous souhaiter un bon séjour à Ségassou. Coût total, 2,236,000,000 de francs CFA. Excellences, messieurs, mesdames, la pose de la première pierre de l'infrastructure a lieu le 23 novembre 2017 et sa capacité de stockage est de 3000 tonnes. L'interprofession avec ses grandes familles, à savoir les producteurs, les importateurs d'intrants, les commerçants, les transformateurs, arrive à couvrir 2/3 en besoin de pommes de terre de consommation, soit 500 000 tonnes par an. La filière pommes de terre contribue aujourd'hui à l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle, à l'amélioration des revenus de nos producteurs, à la réduction du taux de chômage et retient les jeunes des zones d'orpaillage et de l'exode rural. Cependant, des contraintes majeures restent à lever pour un bon développement de la filière. Entre autres, la subvention des intrants. Je veux parler ici des semences et engrais spécifiques et équipements agricoles pour diminuer le coût de production qui est de 125 francs contre 35 francs dans d'autres pays d'Afrique comme le Maroc. La construction de ce centre de conservation contribuera à réguler l'offre de pommes de terre sur le marché. En effet, faute d'infrastructures pour la conservation, une bonne partie de la récolte était perdue, réduisant les efforts de toute une année. Grâce à cette infrastructure, des quantités importantes peuvent être désormais conservées pour être ensuite mises sur le marché en période de soudure. Le centre permettra de maintenir les prix à un niveau rémunérateur pour les producteurs, d'éviter la hausse du prix de la pomme de terre pour les consommateurs pendant la période de soudure, d'encourager les producteurs à davantage produire dans la mesure où les quantités non vendues seront conservées. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables invités, mesdames et messieurs, cette initiative contribuera à augmenter les ressources financières et à réduire la pauvreté. Afin de profiter pleinement des avantages de l'infrastructure, les bénéficiaires doivent mettre en place très rapidement une meilleure exploitation et gestion. L'accueil qui a été réservé à la délégation que j'ai l'honneur de conduire au nom du président de la transition indique clairement l'engagement et la détermination des populations de la région de Ségassou pour faire du Mali un véritable pays d'agro-industrie, un véritable pays qui pourrait se nourrir et nourrir une bonne partie de l'Afrique. Ce projet est l'illustration parfaite de ce que lorsqu'il y a la continuité de l'État, la continuité de l'effort dans le temps, l'engagement des populations et des autorités, rien n'est impossible pour les Maliens. Venir à vous ici est un signal fort et un révélateur de ma volonté
d'écoute des populations qu'on oublie trop souvent de consulter, sauf dans les périodes électorales cycliques ou quand surviennent les graves crises dans la gouvernance, les crises politiques notamment. C'est aussi l'expression de l'engagement du président de la transition et du gouvernement à privilégier une gouvernance de proximité pour la prise en compte adéquate des défis et des besoins locaux. Nous devons également être capables de compromis dynamiques, de compromis historiques et surtout nous retroussier les manches pour redoubler d'ardeur au travail face à l'immensité des défis et des tâches auxquelles le Mali est confronté. En tant que chef de l'administration générale, j'attends de vous, élus locaux, autorités administratives, autorités traditionnelles, que vous inscrivez tous vos actes dans le droit fil des orientations que je viens d'indiquer, afin de promouvoir ce que nous considérons comme les trois besoins vitaux du Mali, à savoir les besoins de sécurité, les besoins de justice et le besoin de refondation de l'État. Ces trois impératifs sont pris en compte dans les quatre axes du programme d'action gouvernementale. Il s'agit, pour rappel, du renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, des réformes politiques et institutionnelles, de l'organisation des élections générales et enfin de la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Mesdames et messieurs, pour ce qui est des préoccupations soulevées, j'en ai pris bonne note. Je ferai le nécessaire pour apporter les réponses attendues à celles qui peuvent être résolues dans l'immédiat. Les problèmes nécessitant un traitement plus en profondeur. Pour ces problèmes, donc, nous allons les examiner dans les meilleurs délais. Pour ce qui est des propositions du président de l'APECAM et du représentant du monde rural, mesdames et messieurs, la balle est dans votre camp. Prenez des initiatives, soyez des forces de proposition au gouvernement qui s'engage ici à vous dire que nous traduirons en texte légaux et réglementaire la volonté du monde paysan. Population famba neata kemekan salala bisegi ko bulo besenala ale mugantam flana be barabarga a bulo besenala ndola donc ni misinya mo sera a kachala fe na on yeda kunya da no mu fo na on jena ka blasan do mu ya kachala fo do be mene on fana ka akilna mu ni degum banka o no besaka de medo ma abis ara klo besako me ka so ni o make papier ko ka chama. C'est un entrepôt frigorifique d'une capacité de 3000 tonnes de pommes de terre. Mais nous ne faisons pas que des pommes de terre, nous faisons également de la mangue, nous faisons de l'échalote également. Son objectif principal, c'est de pouvoir stocker les cultures, parce que nous savons qu'actuellement, nous n'avons pas beaucoup d'entrepôts et nos cultures, par exemple la mangue, quand nous l'exportons, la plupart du temps, elle n'est pas refroidie. Et donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir entreposer les cultures pour pouvoir les revendre après quand on en aura besoin. Les produits horticoles sont des produits qui ont une durée de vie très courte. C'est des produits pourrissables. Lorsqu'on ne les conserve pas bien, ces produits périssent. Donc cet entrepôt permet de réduire les pertes de production. Ça permet de garder les produits horticoles pendant longtemps, ce qui permet aussi aux producteurs de les vendre au moment où les prix augmentent sur le marché. Et ça permet aussi aux consommateurs d'avoir accès à ce produit même pendant, bien après les périodes de production. Nous avons des grands opérateurs, des hommes d'initiative, des hommes d'engagement, comme M. Sidibé. Je suis sûr qu'il y a des milliers au Mali. Ils ont besoin juste qu'on leur laisse jouer leur rôle et pleinement leur rôle.
qu'il soit accompagné par l'État, que l'État fixe des règles, qu'il les fasse respecter, qu'il soit à équidistance de tous ses fils, y compris le monde des affaires. C'est de tout ce qu'ils ont besoin. Ça veut dire que sur le front de la bataille pour la refondation de notre pays, chacun des fils du Mali est un soldat qui a son rôle à jouer. Qu'il y ait un mouvement d'ensemble pour que tout le monde tire dans le même sens. Avec le président de la transition, le gouvernement en tête. Je pense qu'à ce rythme, si nous avons cette façon de voir, rien n'est impossible et notre pays sortira de la situation où il est. Je suis venu dans cette ferme qui fait les animaux, qui fait le poisson, qui fait les canards, qui fait les moutons, les bœufs, les vaches, pour faire passer un message. Après celui d'hier, on a vu ce qui produit la pomme de terre et d'autres produits, les mangues, pour dire au monde rural qu'il peut compter sur les hautes autorités de la transition, il peut compter sur la transition pour poser des actes majeurs qui vont refonder l'agriculture, l'élevage, la pêche en un mot, le développement rural dans notre pays. S'il y a des textes de loi qui doivent être pris pour que leurs préoccupations soient inscrites dans les textes légaux de notre pays, que cela puisse faire. Parce que le rôle du gouvernement, c'est de tracer le cadre, c'est de donner l'impulsion, c'est de donner confiance aux producteurs et faire en sorte aussi que ce qu'ils produisent puisse être vendu, qu'ils ne soient pas victimes de la concurrence déloyale qui vient d'ailleurs. Parce que tous les États soutiennent leurs producteurs. Quand ils finissent de satisfaire leur population, les excédents, ils les évacuent à n'importe quel prix. Donc il faut aussi qu'il y ait une politique de protection des producteurs de notre pays. S'il vous plaît, la presse, prenez un angle, le pain vient dans le champ. Donc, comment vous y êtes ? C'est là, on est arrivé en Burundi, français là, gâté. Malou, tarif là, au fil à Fana Waliala. Tika, tarnan de Burundi là, Fana Waliala. C'est là qu'a chimé Kenya. Gars, qu'on a mouru et mouru biwaron, biwaron. Oui, entreprise. Et chef d'entreprise. Oui, oui. 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 C'est un paysan qui est un vrai entrepreneur, un chef d'entreprise. Il emploie 60 personnes. Il a 50 hectares. Et si. Il y avait beaucoup de personnes comme lui au Mali. Nous n'allons pas avoir des problèmes de sécurité alimentaire. La réponse à l'unanimité, c'était de dire que nous aurons au moins 99% de ce qui est prévu va être réalisé. Si vous remarquez, le premier besoin de l'homme, c'est ça, la sécurité. Sans sécurité, vous ne pouvez penser à rien. Mais lorsque vous êtes sécurisé, votre besoin suivant, c'est la nourriture. Quand vous avez faim, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez exercer aucune activité. Et c'est pourquoi ces deux couches
ont le droit d'attendre des hautes autorités de notre pays toute la reconnaissance due par la nation. Et c'est pour cela que nous avons décidé de venir dans la zone agricole par excellence, dans la zone cotonnière, en réalité en s'adressant aux populations des régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala, nous nous adressons à tout le monde paysan malien, de Kidal à Kaï. Tout ce que nous disons ici est valable pour tous les paysans, tous les pêcheurs, les éleveurs, les entrepreneurs qui sont dans l'agro-industrie, c'est valable pour eux tous. Nous sommes venus aussi pour enregistrer vos préoccupations. Qu'est-ce que vous pensez doit être fait par le gouvernement, qui n'a pas été fait des années durant, pour que cette transition soit mise à profit, pour redonner espoir et confiance au monde agricole? Si d'ici fin août, nous n'avons pas des propositions pour mettre en œuvre tout ce que vous avez demandé, ça veut dire que vous avez parlé pour rien ici. La balle sera venue dans le gouvernement, elle va être dégagée dans les jours qui suivent. Elle ne restera pas dans le camp du gouvernement. Donc préparez-vous, moi j'attends vos textes. Ce dimanche, je termine la tournée que j'ai entamée le vendredi 6 août par Bougouni avant de poursuivre à Koutiala et à Sikasso. En me rendant dans ces localités, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, dans la traduction des orientations du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui nous a demandé de sillonner le pays profond, le Mali réel, pour exprimer la solidarité du gouvernement avec les populations, pour renforcer le sentiment d'appartenance nationale et pour parler au plus près des préoccupations locales et leur apporter les réponses idoines. Au cœur de ma première tournée régionale se trouvent plusieurs messages. Primo, le Mali ne se limite pas à la capitale, loin s'en faut. Nos consultants vivant à l'intérieur et à l'extérieur ne seront pas seuls. Et ils ne seront jamais seuls, en tout cas pendant cette transition. L'État est à leur côté. L'État est l'expression de la solidarité nationale qui sera constante dans notre action à la tête du gouvernement. Le deuxième message que le gouvernement est venu apporter en cette période d'hivernage au monde paysan, à nos braves populations des campagnes, les populations laborieuses de nos terroirs, dont l'ardeur et l'abnégation au travail permettent à notre pays de rester debout, de résister aux chocs endogènes et exogènes, en faisant montre de résilience malgré le contexte sécuritaire et sanitaire difficile. À cet égard, je salue l'engagement pris par le président de l'APECAM au nom des paysans de faire de la campagne agricole en cours une réussite, de manière à ce que notre pays regagne sa première place de producteur de coton en Afrique au sud du Sahara. Le troisième message qui s'attache à ma visite est l'engagement du gouvernement à accompagner les initiatives locales, l'entrepreneuriat des acteurs du secteur privé, en particulier dans le domaine de l'agro-business, un secteur dans lequel les trois régions que je viens de visiter ont des avantages comparatifs indéniables. Le gouvernement va continuer à apporter le soutien requis aux porteurs d'initiatives et à tous nos capitaines d'industrie, en particulier ceux qui font le pari de nos régions pour faire émerger des pôles régionaux de développement. À cet égard,
je lance le lancement de la chaîne de froid ici à Sikasso en faveur de la filière pomme de terre a été un temps fort de notre visite dans la cité de Kénédougou. Ma visite m'a également permis, en tant que chef de l'administration, de m'enquérir de la situation au niveau des régions nouvellement créées, en particulier d'apprécier sur le plan administratif le niveau d'implantation des infrastructures régionales. J'ai également pu apprécier de plus près les défis auxquels sont confrontés les représentants de l'État, gouverneurs de région, préfets, sous-préfets, chefs de services administratifs, et de leur apporter le soutien du chef de l'État et du gouvernement, car ils constituent la colonne vertébrale de l'État et dépositaire de l'autorité publique au niveau régional. Ma visite a également été l'occasion d'échanger avec les forces vives de chacune des régions visitées. De nos échanges, j'ai pu mesurer l'attachement des citoyens à leur pays, leur soif d'État, un État utile, un État prestataire et un État à même de protéger et d'impulser le développement local. Partout où je suis passé, les citoyens ont exprimé leur soif de changement et leur désir de voir notre pays se reformer, se refonder, afin de rompre avec les pratiques du passé qui sont à la base de la déliquescence et de la déchéance de l'État. Dans cette quête, j'ai rassuré les populations et les autorités régionales et locales de l'engagement du gouvernement et du chef de l'État à faire de la transition politique en cours un tremplin pour une véritable refondation de notre pays en vue de l'avènement du Mali Croix, le Mali nouveau. Enfin, j'ai exhorté nos concitoyens à apporter leur soutien au gouvernement et à s'inscrire dans la dynamique des réformes dont les assises nationales de la refondation seront le catalyseur. Les Maliennes et Maliens vont redéfinir au cours des assises les contours du nouvel État dans lequel ils aspirent vivre. J'ai également noté avec satisfaction l'adhésion des forces vives des régions visitées au choix politique qui a été fait d'instituer un organe unique et indépendant de gestion des élections pour les scrutins qui vont clôturer la transition. L'objectif recherché à travers l'organe unique est de renforcer la confiance des citoyens dans les élections et dans la chose politique, de renforcer la légitimité et la stabilité des institutions, de réhabiliter la crédibilité des institutions publiques et, in fine, d'approfondir et de renforcer le processus démocratique. Mesdames et messieurs, j'ai noté avec satisfaction que les chefs traditionnels, les autorités religieuses, les populations ont apprécié et ont dit clairement que c'est la première fois qu'immédiatement après la présentation d'un programme de gouvernement, les autorités ont trouvé nécessaire de venir vers les populations et échanger avec elles. J'ai noté aussi avec satisfaction l'engagement des populations à produire plus de coton, plus de céréales cette année, plus que jamais au Mali. Et j'ai accepté avec joie l'invitation qui nous a été faite par les notables de Koutiala d'être l'invité d'honneur à la cérémonie qui commémorera la fête du coton. Cette invitation, naturellement, va être transmise au chef de l'État qui certainement fera l'honneur aux populations d'être là lui-même. Au cas où il est empêché, je me ferai le devoir de le remplacer auprès des populations. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer sur cette note d'espoir du patriarche de Koutiala qui m'a demandé de transmettre au président de la transition l'assurance que cette année, les résultats agricoles seront au rendez-vous et que sa ville va accueillir la fête du coton. C'est à cette occasion que l'invitation nous a été lancée. Mesdames et messieurs, c'est les grandes conclusions que j'ai l'honneur, au nom de toute la délégation qui m'accompagne, de tirer de cette mission.